Galactic date 20XX. At the far reaches of space lies a planet on the brink of ruin. The planet's name? Copai. Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning, Copai's inhabitants have all but exhausted their food supply. Their only hope is to find another planet with edible matter. Accordingly, they send unmanned scout vessels called Sparrows out into space. To their dismay, the search is proving fruitless. Just as they're about to give up, the final vessel reports back with news of a miraculous discovery. They mobilize to investigate the planet, which they name PNF-404. Copai's last hope rests on three intrepid explorers. At last, the explorer's 279,000 light-year voyage nears its end. But as they initiate the landing sequence, something goes horribly wrong. Sono super. Bueno. Bueno, but now. Sorry. Son man. Sorry. Oh. So far. Caro coupe. Et bonjour à toi à tous, ici DGamer Français. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, car ça va être le début de notre tout premier let's play sur Pikmin 3. Et notre tout premier let's play aussi sur YouTube. Dites-vous les gens que ma chaîne, avant de commencer avec du Narwhal.io, devait avant tout commencer avec du let's play. Du let's play sur des jeux Nintendo. Sauf que j'avais pas le matos pour pouvoir faire du let's play. Et donc du coup, maintenant que j'ai un Elgato, je me permets de faire ce let's play. Ça fait énormément longtemps que je rêve de faire ce let's play. Et vu que je peux enfin, j'ai décidé de me lancer. Et en espérant que cette nouvelle série vous plaira sur Pikmin 3. Alors je sais, le jeu est sorti il y a longtemps. Mais je me suis dit, il n'est jamais trop tard pour faire un let's play. Voilà, donc on va commencer. Donc du coup, l'histoire de Pikmin, en fait, c'est à ce que j'ai compris durant l'intro. Il y a trois personnages, du coup, qui sont arrivés sur Terre. Donc il y a déjà le Capitaine Charlie que vous voyez à l'écran, du coup, cette personne. Voilà, et puis des autres équipiers que l'on va devoir retrouver du coup. Donc à ce que j'ai compris, en gros, ils doivent chercher des fruits pour nourrir leur planète qui sont à court de provisions. Et donc du coup, ils ont décidé d'aller du coup sur une planète qui ressemble vaguement à la Terre, qui est la Terre d'ailleurs, on va pas vous allez voir au fil du temps. Mais malheureusement, leur vaisseau a explosé, je sais pas trop en fait... qu'est-ce qui s'est passé, mais en gros, on va dire que
leur vaisseau a dû les a éjectés et en gros ils sont éparpillés dans les trois coins de la Terre du coup, vu qu'ils sont trois, on peut pas dire qu'ils sont quatre, on peut pas dire quatre coins. Mais bon, du coup on va commencer, donc du coup il faut les retrouver, donc on va voir déjà pour se déplacer. Ok. Alors ça fait longtemps que j'ai pas retouché au Let's Play, et ça fait longtemps que j'ai pas retouché au jeu, donc je m'en souviens plus du tout de l'histoire, les gens. Je sais juste le résumé de l'histoire. Ok, donc là, déjà on est dans un pays de neige. Ok. C'est quoi ça? Alors ouais, je vais essayer de doubler les personnages, même si ça va être catastrophique, les gens. Et il y en a d'autres. Voilà. Lui, on va lui donner une voix... Je sais pas pourquoi, on va lui donner une voix héroïque. On va lui donner le Batman doublé au Québec. Il y en a là aussi. Ok. Oui. Si ça se trouve, ici c'est leur territoire. Ok. Ah. Diantre, il s'approche. Bouger, toucher pour bouger curseur. Ok. Ok. Pour placer le curseur, ok. L pour siffler. Oh, je suis encerclé. Attention, je vais vous lancer. Ah, rien n'y fait. Ok. Ils n'ont pas l'air hostiles. Alors attendez une minute. Donc je fais glisser le stylet sur le gamepad tout en utilisant L pour les rassembler. Puis je tapote l'écran tactile pour les lancer. T'as tout compris, Jean-Mich? Attends, c'est comment? C'est Charlie, voilà. Enfin, je les disperse en touchant l'un sur le gamepad. Ok. Attends, alors déjà on va faire un truc. Ah voilà, mode. Est actuellement réglé sur stylet. On va passer en classique, les gens, parce que c'est pas les commandes que j'ai eu l'habitude de faire. Ok, donc normalement, voilà. Alors du coup, je bouge avec le joystick et en gros j'appuie sur B pour j'appuie sur B maintenant pour disperser. Alors du coup on les lance avec A, voilà. Ok. Ok, d'accord. Alors attendez, ce qu'on va faire les gens, c'est qu'on va aller récupérer eux. Voilà, donc j'appuie sur ZR aussi pour les siffler. Du coup, c'est plus L, c'est ZR. Attendez, est-ce qu'il y en a d'autres? Y en a-t-il d'autres? Non, je pense qu'il y en a pas d'autres. Alors du coup, attendez que je vous explique un peu l'interface. Alors en bas à droite, là, ce que vous voyez, c'est le nombre de Pikmin qu'on a. Donc par exemple, dans le... Ceux qui me suivent, du coup, ils sont 5. Et sur le terrain, du coup, donc sur la map, il y en a 30. Donc à mon avis, il va falloir les retrouver. Donc du coup, ça, c'est les fameux Pikmin. Donc ceux-là sont jaunes. Je sais plus trop qu'est-ce qu'ils font, les jaunes. Attends, est-ce que j'en ai pas oublié d'autres? Je crois que j'en ai pas oublié d'autres. Donc ça doit être bon. Pour retrouver mon équipage, je dois avoir l'œil partout. En appuyant sur ZL, je peux recentrer mon point de vue. Ok. Ok. Et on peut utiliser le joystick droit pour ça. Oh, Macha! Ils sont là, les autres. On a les 30. C'est bon, les gens, on a les 30. Ok, donc du coup... Enlevez-moi ça. Juste comme un pied. En vrai, là, les commandes, ça va. Pour l'instant, c'est pas si dur que ça, les commandes. Ils me suivent toujours. J'étais pas au courant, dis donc. Oula, je ressens une présence. Non, reviens là, toi. Bon, alors par contre, les gens, ce qui va se passer, du coup, n'hésitez pas à me mettre un like, du coup, si vous aimez, du coup, le format Let's Play sur ma chaîne, voilà. Ce sera pas mon genre, mais dites-vous que je fais YouTube par passion. Là, oula, c'est bon. Ah, oula, cinématique. Ah, yes, ok. Ok. Exploration jour 1, 8h46. Point de chute d'Alf. Ok, donc ça doit être notre deuxième équipier, je crois.
Je sais pas trop. On va voir les gens, hein, on va voir. Ouais, ça doit être notre deuxième équipier, ça. Putain, on dirait Tails à voix. On dirait Tails dans Sonic. Pff, ok, d'accord. D'accord, bah si vous voulez, hein. Si vous voulez, si vous voulez. Ah non, c'est pas... C'est... Non, c'est pas du tout Tails d'un seul coup. Je suis encore en vie, je crois. Alf, ok. On rappelle que c'est un perso dans Smash Bros, hein. Moi, c'est Alf. Je suis l'ingénieur du Drake. Encore un mec qui a fait S. Juste avant l'atterrissage, les commandes du vaisseau se sont bloquées et nous avons dû nous éjecter. D'accord. J'espère que les autres sont sur SO, sans oublier le Drake. Où est-ce qu'il peut bien être? Ah bah c'est une bonne question, mon cher copain. Bah déjà, t'as ton capitaine, là, il est dans la neige, là. Il est au Québec, je crois. Ah! Une nouvelle espèce de Pikmin, tiens. Ok. C'était quoi cette chose? Je crois que c'est des Pikmin encore. Ce qui est évident. Déjà pour ceux... Ok. Et ils sont trois. Qu'est-ce qu'ils font? Ah! Revoilà cette créature. Oh, il y en a plusieurs. Quelque chose s'est pris dans les feuilles. Ah, du coup, ça c'est l'oignon, les gens. Ce qui est dans l'arbre, là, en fait, c'est un oignon, en fait. Comment puis-je les aider? Comme ça. Splendide. Alors, du coup, ça, les gens, je vous explique. Attendez. La cinématique. Ok, bon du coup, je vous explique. Attendez. Ok, bon, du coup les gens, je vous explique. En gros, là, ce que nous avons récupéré dans l'arme, en fait, c'est l'oignon. Ça s'appelle un oignon. Alors, ouais, ne me demandez pas comme pourquoi ça s'appelle un oignon, c'est... Voilà. Et en gros, c'est le vaisseau des Pikmin, en fait. Et donc, en gros, c'est... c'est là, en fait, où on va pouvoir faire reproduire les Pikmin et tout. On dirait qu'ils me suivent, oui. Ah, là, regardez ça. On a un autre, là. Un tas de gravats. Donc, du coup, voilà, ils vont travailler. Ils vont travailler pour nous, c'est Bamba. Donc du coup, ça va être vraiment ça le jeu, ça va être sur l'esclavage. Ça va être sur l'esclavage, vous allez voir. Enfin, vraiment, c'est le meilleur jeu au monde. Tu peux... Mario Bros ne peut pas faire face à ça. Ils ont encore des choses à faire. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mon copad, ok. Grâce à lui, je pourrais savoir où se trouve le Drake. Ouais, d'ailleurs, petite information, les gens. C'est le même appareil qu'a utilisé le capitaine pour essayer de contacter le vaisseau, du coup, qui s'est écrasé dans la cinématique d'Alf. Et en gros, si vous voulez, en fait, le copad, c'est un peu mon gamepad qui est ici, en fait. Bon, là, forcément, il me demande de regarder le téléviseur. Bon, je suis pas sur téléviseur, je suis sur mon PC, mais bon, on s'en branle. Et en gros, ce qui se passe, en fait, c'est que au moment, en fait, où il y a eu l'affichage qu'il y a eu dans le copa de tout à l'heure avec le capitaine, et ben, j'ai eu le même affichage, du coup, sur mon gamepad. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de mettre une deuxième caméra, en fait, sur le gamepad. S'il sert juste à ça. Et puis, sinon, bah, voilà ce qu'il y a, en fait. Il y a Alf avec son pseudo, oui, bien sûr, son prénom. Ça irait plus vite s'il y avait plus de créatures. Bah, ouais, c'est... Je voudrais bien, hein. C'est vrai que ça aurait été mieux si on aurait plus de créatures, mais voilà. Alors dites-vous les gens, ça va être un peu de la stratégie, le jeu, donc Ah, on a fini le pont. Ok, donc on a fait un pont. Alors ouais, tout ce qui est débris et tout ça, ça va être pour nous aider, ça va être pour nous aider à construire les ponts, voilà, pour ceux qui n'ont pas joué à Pikmin ou pour ceux qui n'ont pas regardé les anciens let's play qu'il y a eu dessus. Bon, on va juste aller récupérer.
C'est bon, on a récupéré le copad. Ok, donc du coup, regardez. Pour vous dire, c'est exactement ce que j'ai là. C'est exactement ce que j'ai là. Donc j'aurais juste à zoomer de... J'aurais juste à zoomer en fait. Ce que je ferai, c'est que je... Ouais, c'est ça en fait. Je ferai un zoom sur le copad quand on s'en servira. Alors du coup... Ouf, il fonctionne. Voilà bien l'un des fleurons de la technologie copienne qui a passé avec succès tous les tests de solidité. Observons les alentours en faisant glisser la carte sur l'écran du copad. Mais où est le Drake? Je devrais suivre Sinai. Ok. Alors ouais, là je suis en train de nettoyer un petit peu mon gamepad. Ah, voilà le Drake. Le voilà, c'est le Drake. Il n'est pas très loin d'ici. Peut-être que je pourrais y retrouver les deux autres. Ok, donc on est vraiment trois dans l'aventure. Alors du coup... Qu'est-ce que c'est? Il me bloque le passage pour aller rejoindre le Drake. Bah du coup c'est très simple. Hop. Et on balance les Pikmin. Alors du coup ouais. Ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai resté appuyé sur ZL en pointant l'objet. Bon là ils sont... Ok donc déjà il nous en faut 20. Mais du coup ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai resté appuyé sur Z en visant le carton. Et après j'ai juste fait B en fait. Bah tout comme c'est marqué en fait. Et puis du coup ça balance l'assaut du coup. Ce truc rousse ça se mange. Non, ça doit pas se manger. Mais c'est les fleurs palais. Et du coup, ça sert à faire naître de nouveaux Pikmin. En gros, je vais vous montrer. On va juste mettre les autres dessus. Bon, ils sont deux. Voilà. Bon, en gros, venez. Venez, oui, bien sûr. Bah, vous regardez, donc vous pouvez regarder. Et en gros, voilà ce qui se passe. Voilà. Les pousses sont sorties de terre. Et en gros, ce qui se passe, ça, la machine, le vaisseau Pikmin, en fait, quand on ramène un palais ou des monstres, ça permet du coup à faire reproduire des Pikmin, en gros. Et après, on a juste à les déterrer. Et nous avons le Pikmin rouge avec nous, les gens. Je vois. C'est comme ça qu'il se multiplie. Ce sont vraiment d'étranges créatures. Effectivement, Jean-Michel, ce sont d'étranges créatures. Du coup, on va les déterrer. Ok, les gens, donc nous sommes partis. Alors, juste, on va aller voir ce qui se passe, ce qui se cache là-bas. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oula, ça me l'air. What? Ok. Ah, il y en a des milliers. C'est quoi ça? C'est des silverfish ou quoi? Attends. Attaquez, soldats! Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait des silverfish. Hop, alors on a une nouvelle fleur palais ici. Et nous avons... Oh, gros jackpot, dis donc! Ok! Donc ça va vraiment être de la stratégie et de l'automatisme ce jeu en fait les gens. Comme je le disais. Voilà, et c'est ce qui fait tout son charme à ce jeu en fait. Voilà. Donc là on va juste attendre qu'il ramène les... Ok. Allez, galère quand même pas mal hein. Ah c'est bon, ils arrivent. Ok, bon on va pouvoir commencer alors. Ok. Ok, c'est bon. Oula, mais ça rapporte beaucoup ça. On en a 21 supplémentaires, ok. Ok. En vrai, pas mal. Donc du coup, on va pouvoir faire ça. Oh là là, c'est génial ce jeu, les gars. Ah, une note. Je crois que c'est ça. Non, on dirait un fichier. Ah non, c'est des notes. Ok, je vois dans le futur les gens. On dirait que quelqu'un a laissé ses notes. Voyons si je peux les lire avec mon copad.
Eh ben non, c'est un point ODT, c'est un point PDF, voilà. Ah, oula! Les oignons sont les matrices qui donnent naissance aux Pikmin. Les Pikmin y passent la nuit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de l'oignon. Oh, ça marche! Ainsi, ces créatures s'appellent Pikmin. Voilà. Ces données n'ont pas l'air d'avoir été laissées par le capitaine. Clairement pas. Je vais quand même les sauvegarder dans les notes d'exploration du copad au cas où. Ah, attends, il installe Gogol là. Il installe Word sur son portable, sur sa tablette là. Ah, ok, c'est bon. Mais qui a bien pu laisser ces notes? Nous ne serions donc pas les seuls êtres intelligents sur cette planète? Clairement pas. Alors du coup. Ok, alors du coup les gens, on est parti. Regardons sur le cop radar. Le Drake ne doit pas être loin. Alors je regarde. Alors ici on a une magnifique grotte. On a une souche ici. Et le Drake, il est là. Donc en gros là, vous voyez la carte en vue IRL. Moi je la vois en vue virtuelle en fait. Je sais pas si vous voyez du coup. Et en gros, attendez, je vais vous montrer quand même comment ça se passe. Alors du coup, voilà comment ça se passe. Donc là j'ai monsieur, je sais pas s'il va faire le focus, non il va pas faire le focus. Bon en gros j'ai Alf et en gros t'as des points rouges du coup qui représentent les Pikmin en gros sur la carte. C'est quand même assez pas mal que je puisse vous dire ça parce que si vous avez pas le jeu au moins voilà. Bon on va détruire la champignon. Alors non clairement pas, ils sont pas connectibles. Ok, là on a un mur donc je pense, ouais, il est détruisable, allez hop, on envoie les Pikmin dessus. En tout cas j'aime bien les graphismes. Bon certes c'est du rétro mais j'aime bien le graphisme. Tiens bah vous savez quoi? Allez hop, plus on est fou plus on rit comme on dit. Mais que faisait ce mur ici? Eh bah, il a été construit par un gosse, je pense, ou voilà. Non, c'est Trump, en fait, qui l'a construit, les gars. C'est Trump, il a construit le mur. Il a enfin construit ses murs. Le voilà, c'est le Drake. Merci, Captain Obvious. Qu'est-ce que je vais faire, maintenant? Ah, oula. Appel entrant. Appel entrant. Un appel, voyons qui c'est. Alf, c'est moi, Brittany. Ah, notre troisième équipier. Bon, équipière pour la peine du coup. Quel soulagement, tu es avec le Drake? Oui. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Mais je crois que je suis bloqué. Ah. Ah, oula. Ah, ça a coupé. Elle doit être dans une zone éloignée d'ici. Non, ou alors elle a juste pas de réseau en fait. Enfin, je suis rassuré de savoir que Mademoiselle Brittany est saine et sauf. Ou alors elle avait plus de 4G, c'est ça. The fuck man. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends des cris bizarres. C'est ton ventre, c'est ton estomac on va dire. Est-ce que les créatures indigènes deviennent plus actives au coucher du soleil? Je ferais peut-être mieux de quitter la surface de la planète pour l'instant. Bah qui que t'attends, nom de Dieu, c'est un couillon! Va dans le vaisseau! Dépêche-toi! Merci! Fallait qu'il démarre. Attends, il avait perdu la clé. Fallait chauffer le contact. C'est magnifique. La musique là, ça rappelle que des souvenirs. La majorité des provisions que nous avions amenées avec nous n'est plus consommable à cause du crash. Ah fuck. Ah d'accord, ok fuck, d'accord. En gros là, il avait tout le frigo rempli, mais ah d'accord, toutes les provisions ont dû casser. Ça doit être du verre ou quelque chose comme ça. Il ne nous reste que 3 jours de nourriture de copaille. D'accord, donc en gros.
Nous devrions commencer à chercher de la nourriture dès demain. Ok, donc vraiment, ça va être vraiment que de la nourriture. Alors, notre objectif de ce let's play, Jean, ça va être de terminer à 100%. Ok. Donc, il va falloir faire. Hein. On va le faire, du coup. Ah, ok, donc ça, c'est le débrief. Attends. Ah, ok. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Alors, en fait, là, il y a débriefing de la journée. Attendez que je vous montre. En fait, c'est une vidéo, en fait. C'est une vidéo de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a fait, en fait. C'est incroyable, ce jeu. Nous nous sommes écrasés sur la planète où nous venions chercher des vivres. Avec l'aide des créatures appelées Pikmin, j'ai pu retrouver le Drake. Mais il lui manque sa clé supraluminique. Par chance, j'ai reçu un appel de Mademoiselle Brittany. Je partirai à sa recherche dès demain. Étrangement, lorsque j'ai décollé, l'Oignon, le vaisseau mère de Pikmin, m'a suivi. Alf. Ok, donc à mon avis, voilà, ça va être des trucs comme ça. Sauvegarde effectuée. Alors pourquoi je fais ça, les gens? Vous allez me demander. Bah tout simplement que c'est la fin de ce premier épisode, les gens. En espérant que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah mettez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Lisez la description et un paquet d'informations. Vous pourrez retrouver ma chaîne secondaire des Gamers France Podcast Production, qui est donc ma chaîne de podcast où je fais des podcasts, mais il va y avoir beaucoup de projets par la suite, voilà, comme par exemple une web série que j'y travaille justement. J'y travaille. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne Twitch des Gamers France YT, où je fais des streams, où je veux quand je veux, avec qui je veux, et je ne préviens pas, c'est un planning aléatoire. Et je le fais en double stream avec Mixer et YouTube, comme vous l'avez pu le voir du coup. J'ai également aussi une chaîne tertiaire de rediff Twitch, du coup quand je ne fais pas de live sur YouTube, quand je fais uniquement sur Twitch ou Mixer, je poste toutes les rediffusions sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir et allez vous y abonner pour ne pas louper les rediffs qui sont en première du coup, donc vous pourrez discuter entre vous durant ces rediffusions qui sont diffusées en direct. En ce qui concerne cette nouvelle aventure, j'avais envie, en ce qui concerne pourquoi j'ai décidé de faire un let's play, c'est parce que j'avais envie de renouveau sur la chaîne du coup les gens, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas y aller avec l'un des jeux que j'ai surkiffé de la Wii U, Pikmin 3. Donc n'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît, malgré qu'elle est sortie depuis longtemps, voilà, et qu'il y a eu beaucoup de let's play par la suite. Mais j'avais envie de tourner mon point de vue sur ce let's play du coup. Et je pense que ça va être une aventure super géniale et une redécouverte pour moi, étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai pas retouché à ce jeu. Bref, il va y avoir l'épisode. Je vais tourner l'épisode 2 dans pas longtemps. Donc du coup, si vous voyez que je suis encore avec la nouvelle tenue et tout ça, bref, vous vous en battez les couilles. Bref. On se retrouve du coup pour l'épisode 2 ou une prochaine vidéo du coup sur la chaîne, voilà, du PC ou du Nintendo. Et bref, on s'arrête là. Du coup, c'était des Gamers France qui vous dit à la Stavista. Salut tout le monde!